C'est parfait, tout est nickel. Salut à tous, bienvenue. Welcome sur le live DMX. Ouais, salut à tous, bienvenue. Alors faut que je m'habitue parce que j'ai changé un peu ma config. Mon chat est à gauche maintenant et mon replay est à droite. D'ailleurs, je suis trop sombre, je vais vous montrer ça. Ça devrait être mieux. Mais du coup, oui, maintenant je me replay par là, j'ai le chat qui est là, la caméra qui est toujours au même endroit par contre, parce que j'ai inversé mes deux écrans en fait. Mon écran vertical, je l'ai mis à gauche et à droite, j'ai mon autre écran. C'est plus simple sur le PC, la config où je me suis mis. Parce que oui, pour ceux qui m'ont suivi les stories sur Instagram, j'ai bougé tout mon PC et j'en ai profité pour faire un câble management aux petits oignons. C'est juste, c'est nickel. Donc je suis trop content, tout est nickel. Evan, merci beaucoup à toi pour ton 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Bientôt les 3 ans de follow Twitch. Ah oui, mais par contre pas les 3 ans d'abonnement. Mais merci à toi en tout cas. Merci beaucoup pour ton niveau 1 pour une durée de 4 mois. Merci à toi, c'est un plaisir. D'ailleurs, du coup les notifs sont là. Peut-être que je dépasserai 6 notifs. Je pense que mon chat, je vais le remettre à droite quand même. Parce que j'avais dit en fait qu'on était à droite. Je pense qu'on va le laisser là. Et ça, on va le mettre juste en dessous là. Je pense que ça peut suffire pour qu'on en voit 15 000. Merci à toi, Natsunuken, pour le follow. Merci beaucoup à toi. Ouais, je pense qu'on va rester comme ça, je pense. Ça va être pas mal. Et salut à tous, salut, bienvenue sur le live. Installez-vous, j'espère que vous êtes tous très, très bien. Ouais, je sais que la musique est trop forte, c'était pour l'intro, pour vous mettre dans l'ambiance tranquillement. Et salut à tous, salut, bienvenue. D'ailleurs, elle est toujours trop forte parce que mon son est à 100, voilà, 60. Là, normalement, la musique est nickel. Mais salut à tous, salut, bienvenue. Tu sais pourquoi Sekira... Mais oui, il y a plein de gens qui ont des problèmes avec Sekira sur MXS Rank. Et je sais pas pourquoi, surtout que j'ai refait le fichier et pour modifier les gates. Et j'ai fait une nouvelle version quoi sur le Discord. Donc normalement, il ne devrait plus y avoir de soucis, quoi. Ça devrait fonctionner parfaitement. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi certaines personnes arrivent à se connecter et pas d'autres. J'ai pas trouvé de dépendance dedans dans le fichier. J'ai essayé de chercher un peu s'il y avait un... Je sais pas. Non et non, moi j'ai toujours des crashs. C'est abusé, j'en ai marre. Là, je suis en train de tester les RAM. Donc en gros, j'ai que 16 Go de RAM dans mon PC. J'ai démonté 2 de barrettes. Parce que normalement... attendez que je mélange pas. Voilà, j'ai démonté mes barrettes. Parce que j'en fait, normalement, j'ai 4 barrettes de 8. Donc actuellement j'ai que 2 barrettes de 8 de montée. Essayez de voir si c'est une des barrettes de RAM qui fait planter. Écoutez, on va voir. Celle-là j'ai testé, ça crache avec celle-là. Là j'en ai 2 mon PC, on va voir. Sachant que ça crache aussi sur Photoshop et Illustrator. Donc toujours le même problème, NVN log, je sais pas quoi là, OGL. Un peu chiant. Mais on va finir par trouver, je suis confiant. On va y arriver un jour. Au programme de ce soir, on va se faire du MXS Rank, comme je vous disais. Mais avant tout ça, bah, j'espère que vous êtes tous très bien sur le chat. Salut à toi. Bafian, salut à toi. Attendez. Ah non, ok. Salut à toi, Bengal, l'unicorn. Salut à toi, Carbot, salut à toi. Chris, salut à toi, Koneto. Salut à toi, Drew. Salut à toi, Ethan. Salut, Evan. Salut à toi, Hugo. Les deux Hugo, salut à vous. Salut à toi, Jerem. Salut à toi, Jojo. Salut à toi, Johnny Chanard. Salut à toi, Juju. Salut à toi, Kiern. Salut à toi, Léo. Salut à toi, Logan. Salut à toi, Mathéo. Mortimer. Nasty Nuken. Salut à toi, Noah. Salut à toi, Nopin. Salut à toi, Nuage. Salut, Scorpion. Salut à toi, Soupa. Salut à toi, Zertinex. Salut à tous ceux qui sont dans le chat. N'hésitez pas à rejoindre si jamais. Hein. Vous n'avez pas encore rejoint ce petit chat. Je sais jamais. Oui, c'est de ce côté-là. Ce petit chat. N'hésitez pas. C'est totalement gratuit. Il suffit d'avoir un compte Twitch. Tout simplement. Bah écoutez, on va aller sur MXS Rank. D'ailleurs, c'est la dernière fois de cette saison parce que la saison finit dans pas longtemps du tout. Est finie, on va regarder ça tout de suite. Dans 2 jours, donc autant vous dire que cette saison on l'aura pas beaucoup joué parce que je suis assez loin. Je suis 52ème et j'ai que 78 courses. D'habitude, j'en fais plutôt une centaine. On va voir combien on a fait la saison précédente. Intéressant à voir. Salut Zertinox, bah écoute, ça va très bien. Ça va très très bien. À part ces crashs que j'arrive pas à régler, c'est un peu chiant. J'ai fait 100 courses de plus la saison précédente. Ok, donc autant vous dire, j'ai pas beaucoup joué à MXS Rank durant cette saison. Mais après, ça veut dire, il y a eu la sortie des MXGP, il y a eu la sortie de Supercross Game 4. Donc forcément, au niveau des streams, ça réduit. J'ai 26 ans, et non, j'ai 26 ans. Du coup, pendant 20 minutes, je roule pas et je roule que sur 3 terrains. Mais oui, je sais, mais je saurais pas.
De quoi acheter un nouveau PC à l'ombre? Tu me donnes 2000 euros, je pense. Vu les prix des cartes graphiques actuellement, ouais, je pense que 2000-2500 euros pour acheter un PC complet. Non, mais je pense qu'au final, quand j'aurai testé la RAM et que j'aurai tout testé, c'est la carte graphique quoi, qu'il faudra que je change, mais ça fait chier quoi. J'avais pas prévu ça dans le planning et dans le budget. Donc au pire, je ferai un petit. Je ferai le petit rapia dans le chat pour demander les dons et on fera un top don quoi. Ah bah oui, si tu me fais un don de 4000 euros, et l'ombre, là on est bien, on est bien. Mais ouais, puis limite, si je rachète une carte graphique, on pourra partir en double config parce que j'aurai tout ce qu'il faut pour faire une double config. Enfin, juste que je rachète une tour et un alim, mais j'ai une alim et je pourrais faire double config. Du coup, ouais, donc regardez ça. Ouais. Donc on n'a pas beaucoup, on est 52ème, c'est pour ça qu'on n'a pas trop joué le général. Même si 1800, on avait fini à combien de LO la saison précédente? Je crois qu'on s'est à peu près stabilisé. Merci, bien sûr, le système de fonctionnement maintenant avec le LO au début de saison. 1936, donc on n'a pas tant d'écart entre les deux saisons. Mais comme quoi, les LO sont bien montés. Hein. Alexis Leclerc fait gagner la précédente, ah, je ne savais pas. C'est bien ça, ces petits trucs où il y a les winners maintenant. Si on regarde la winter... Ok, ça peut... Alexis Leclerc n'y est pas dedans, ok. Mais du coup, nous on est là, et on a perdu pas beaucoup, ouais. Et les premiers, ils ont 2300 quand même, ça monte quand même, les premiers montent en haut. Mais c'est cool, c'est quand même compact, il y a quand même pas mal de gens, donc les grades montent, c'est bien, c'est sympa. Moi j'aime bien le système. Kenneth Litchi, bah, je pense que je vais faire un truc dans le genre, si jamais il faut que je la change. Mais je la ferai à ma sauce, quoi. On me dira un truc, un article sur un de mes sites, et vous pourrez acheter, je passerai pas par un site concurrent. Enfin, par un site tiers, parce que tu perds une partie des donations. Et l'idée de le faire sur mon propre site, c'est que je vais pas risquer les gens qui font des litiges derrière, quoi. Je sais que ça passera. Berka, bonsoir à toi. Salut, salut. Welcome. C'est de l'avantage, donc je verrai. Mais ouais, pour le moment, c'est un peu chiant. Mais bon, on verra bien ce soir, je vais tester. Ça se trouve, je vais trouver, ça va être une barrette de RAM ou une connerie dans le genre qui saute. Mais c'est toujours en fait, l'erreur c'est NVOG, c'est ça exactement erreur. Mais c'est 34 parce que c'est la version 34. Mais que ce soit 32, que ce soit 32 ou 64, les deux crashent, c'est la même chose. Et j'arrive pas à savoir pourquoi. À savoir que j'avais une pilote de carte graphique à jour. Ça je peux enlever, j'en ai pas besoin. Après j'ai encore plein de trucs d'ouvert moi. Ouais, voilà. Je les avais à jour, ça crachait, donc j'étais reparti sur une version antérieure, ça crachait toujours. Donc là, je les ai remis à jour. Donc je suis bien dans la toute dernière version qui date du 16 mars. Ah, il y a une version qui est sortie hier. Écoutez, on va croiser les doigts que la version qui est sortie hier, ça passe. On verra bien. Bah, j'ai envie de dire, on va se connecter à MXS Rank, puis on va partir. Quelle année mon PC? Bah, il est tout neuf en fait. J'ai changé processeur carte mère dedans. Donc le processeur carte mère c'est tout neuf, j'ai une 1080 donc c'est pas ancien non plus. J'ai des barres d'or, elles sont assez vieilles, encore ça va, parce que c'est du 2133 MHz, donc c'est pas les plus récentes. Mais normalement ça devrait largement tenir le coup, mais ouais. Oui c'est ça Oli Clio, mais ce qui est rassurant entre gros guillemets, c'est que ça soit la version 32 ou 64 bits, les deux crashent. Parce que MX Simulator était en 32 bits dans les dernières, dans les anciennes snapshots. Les nouvelles, il passe en 64, mais j'ai pas envie de passer dessus. Mais tout à l'heure, j'étais sur Illustrator et ça a crashé sur Illustrator et c'était la version 64 bits qui a crashé. Donc c'est. Voilà, c'est qu'on sait que ça vient de là. Mais clairement, si j'ai le même problème sur un vieux PC, en fait, c'est le pilote Nvidia qui faisait crash le PC. Ouais, mais là, tu vois, j'ai essayé plein de versions de pilote et chaque pilote, j'ai le même crash. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, on va bien finir par trouver ce que c'est. Hein. Vous inquiétez pas, hein. De toute façon, au bout d'un moment, je vais finir par trouver. Et voilà, tout simplement. Et puis si je change de carte graphique, clairement, j'irai pas chez Nvidia, j'irai chez AMD. Comme ça, j'aurai le combo processeur AMD et carte graphique AMD. Quoi. Je sais qu'il n'y aura pas de conflit entre les deux. Ça va me faire chier, clairement, de partir chez AMD parce que on perd le CUDA, on perd pas mal de choses d'optimisation, mais on verra bien, de toute façon. Pourquoi tu fais pas des lives sur les courses IRL? Parce que de 1, les courses IRL et l'ombre, c'est à 4h du mat, 3h du mat, je crois, dans ces eaux-là. Donc c'est très très tard la nuit, donc il n'y aura pas grand monde. Et de 2, c'est que tu n'as pas le droit de rediffuser les courses IRL. Je n'ai pas les droits. Bon allez, on va lancer MX Simulator. Pam.
Oui, disons que ce soit GeForce ou AMD, il n'y a pas de stock en ce moment aux Radeon, c'est pour ça que les prix se sont envolés. Je vais regarder les prix d'une GTX 3080. Genre, il n'y a pas les prix? Ah, ok. Prix GTX 3080. En ce moment, moi je voudrais le comparatif. Comparateur de prix. Ah, peut-être sur. Je sais pas ici, comparateur. Non, il n'y a pas les. Bon, je vois un site où ils sauvegardent. T'as Idealo, t'as. Pas sur Mac, jamais de la vie. Mais le RTX ne fonctionne pas sur MXS. C'est pas fait pour, donc tu peux pas faire fonctionner le RTX. C'est pas fait pour. Merde, c'était quoi l'autre site où évolution, prix. Informatique. Mais je sais qu'il y avait Idealo et il y a un autre site. Ah, le dénicheur, c'est ça que je voulais, voilà. GTX 3080. Jean, il trouve pas. Que je lui mette une en particulier. LDLC. Ça coûte 1300 euros une 3080? Sérieusement? Je m'attendais tellement pas à ce prix-là. Oh, les prix de fou! Non mais j'ai clairement pas les moyens de m'acheter un truc comme ça. J'ai tellement pas les moyens. C'est n'importe quoi les prix des cartes graphiques. Ah oui, c'est RTX. Ok, oui. Ah oui, forcément, oui. Quand je marque RTX, il y a plus de choses. Mais je m'attendais tellement pas à ce prix-là. Mais du coup, ah oui, du coup. C'est RTX pour ça. RTX 3070. Voilà, parfait. Oui, voilà, oui. Quand on pouvait les trouver à 700 euros. Et maintenant, on peut les trouver à. Elles ont pris 400 euros, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. Les prix ont flambé, mais ils ont fait x2 en fait. Abusé. Par contre, les RTX 3080, il la trouve pas. Ah oui, là j'en ai une. Bah non. Mais il. Normalement, il donne le. Ouais, les écarts de prix, c'est ouf. Historique des prix. Voilà. Afficher, voir tout. C'est abusé. C'est pour ça que c'est vraiment. De toute façon, c'est pas le moment d'acheter une carte graphique. Hein. Clairement, c'est clairement pas le moment d'en acheter une. Hein. C'est ouf les prix. Bah oui, mais de toute façon, en ce moment, les vieilles configs déjà montées. C'est ouf. Je me donnais tellement pas à ces prix-là, c'est dingue. Putain, mais les gens qui achètent des cartes graphiques en ce moment, c'est des fous. Faut clairement pas changer en ce moment. Je m'attendais tellement pas à ça. Ah oui, je voulais faire ça avant de lancer le live. Voilà. En fait, il y a deux choses. Il y a le minage de Bitcoin et des crypto-monnaies qui a fait que les prix sont envolés. Mais aussi le Covid avec toutes les fermetures d'usines et tout, qui fait qu'il y a moins de cartes graphiques qui sont produites. Et vu que tu as plus de demandes que de cartes graphiques, bah, les prix montent. Hein.
C'est la loi de l'offre et la demande, hein. Plus t'as d'offres et moins t'as de... Enfin, plus t'as d'offres et moins t'as de produits, bah forcément, le prix augmente. Économise avec la YouTube Monnaie. Et non, avec 300 euros de YouTube Monnaie, avant d'arriver à 1900 euros, je te laisse calculer le nombre de mois. Mais c'est... C'est fort là, le son dans mes oreilles. Ah oui, il faut que je change mon... Mon pitboard, sinon vous n'allez pas voir ma place et mon tour. Mix Simulator... Pitbird... hop... Black... Et le normal, voilà, parfait. Une Twingo, c'est moins cher, c'est clair. La Twingo 1, tu trouves moins cher qu'une carte graphique. C'est tellement... Mais je... Ouais. Oui, voilà, c'est ça, Clément, c'est le combo des trois, en fait. Et clairement, c'est pas le moment de changer de carte graphique. Hein. Ça va redescendre, c'est sûr, mais il faut attendre, quoi. Ouais, il me reste encore des clés SX4, Gunner. C'est vrai qu'il faudrait que je les fasse gagner un jour. Des clés pour Xbox One et Series X. Juste Xbox, je sais plus. Juste Xbox One, je crois. Je sais plus lequel j'ai fait gagner. Voilà, on est bon. Game, c'est ça qu'on voulait. Puis bah écoute, on est parti pour une petite soirée sur MXS Rank. Les tracks sont sympas cette semaine. Ça va être cool. Non mais de toute façon, c'est pas la question que je... Faut que je trouve pourquoi ça plante. Changer un truc, en plus, même si je change ma carte graphique, je suis même pas sûr que ça réglera le souci. Si ça se trouve, le problème est plus profond, il vient d'autre part, et voilà. Donc j'aurais aucune garantie que ça va corriger le souci, quoi. Faut juste que j'arrive à comprendre comment d'où vient ce truc-là et réussir à le corriger, quoi. Ça va bien voir ce soir, hein. Déjà si on crache pas, ça sera déjà cool. C'est un peu court ça. Un BMX tout carbone c'est moins cher. Faut pas abuser Enzo quand même. Un tout carbone t'en as quoi? C'est 800 euros le cadre je crois. À peu près, et t'en as pour 600 balles les roues. Ça y est, t'as dépassé. Il est vraiment sympa ce SX, j'aime beaucoup. La vitesse de loops, ça passe. J'ai des micro freeze sur MXS, par moment le jeu se freeze, j'arrive pas à comprendre pourquoi. J'ai plein de soucis comme ça. Des fois j'appuie sur échappe, le menu échappe s'affiche plus et c'est incompréhensible ce jeu. La texture de certains tracks. Oui, bah c'est MXS, ça voulait coller. Hein. You are on. Salut à tous ceux qui sont sur le live, salut à vous. Non, si on se démerde bien, on pourra aller directement là-bas. C'est passé quand même, c'était chaud, mais c'est passé. Ouh, c'est passé les oups! Ils font des carbones maintenant, je sais même pas. Moi à l'époque ils faisaient que des alus. Oula, dans le ballot. Ouais, ils sont vraiment cool les tracks cette semaine. Vraiment sympa. Bon, déjà j'ai toujours les micro-freeze. Ça n'a pas changé. Là je pense qu'on peut arriver directement dans le sable en fait. Enfin, un peu plus vite. Voilà, c'est comme ça que je voulais prendre. En fait, c'est tellement rapide que tu prends comme ça.
m'attendais vraiment pas à ça. Yo Enzo, salut à toi. Salut, salut. Oh, j'ai bien fait de mettre le chat par là, c'est bien. Ah oui, il y a ça que je voulais changer d'ailleurs. Parce que quand je change de setup. J'ai un setup où il reste les tenues qui chargent. SX4, édité. Voilà, c'est lui. Hop là, je voulais changer ça. Merci beaucoup à toi, Batista, pour ton Prime pour le 6e mois. Merci beaucoup à toi, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Et salut déjà 6 mois, GG à toi. Mais oui, mais GG à toi aussi. Merci beaucoup de me follow depuis tant de temps. Merci à toi, ça fait plaisir. Tu peux faire un backflip, ouais, si tu veux. Dans les oups, le backflip. Ah non. Un peu trop surestimé. Ouais, on peut prendre une kawa si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Bike graphique. Bon, on va prendre la training. Voilà, on va être bien. Hop. Hop, 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 hop. Je relance mon jeu pour être tranquille. Multijoueur, connexion. Maintenant, c'est quasiment que des carbones. Ah ouais, ok. Je sais pas. Pourtant, le carbone, il y a plein de pros qui roulent pas avec du carbone, qui roulent encore full alu, quoi. C'est ça qui est fou que le carbone ait fait autant de... Autant son trou dans le BMX. Et oui, petit casque d'or, c'est Batista. Prochain objectif, le casque de diamant. Ça va arriver un jour, hein. T'inquiète, t'inquiète. Ah, du coup, on va avoir une petite kawa. D'ailleurs, on va pouvoir changer la tenue aussi. Bon, on va rouler avec cette tenue-là. Ça va bien avec la kawa. Si je la change, les gens ils vont avoir le seum. Il y en a qui roulent avec une 500. Enfin, le skin de 500, c'est pas une vraie 500. Wop. Wop. Wop, wop. Fuxo qui aura le casque d'or sans jamais avoir rien payé. Avec que des subgifts. Comme au Colio, je crois. C'est fou comment tu peux mettre tellement long sur cette double d'arrivée. Mais l'avant est vert de Makawa, hein. Regarde. J'ai le garde-boue vert, hein. Ça passe pas plein de gaz. Force à toi, Soupa, tous mes condoléances. J'espère que je vais bien rouler pour toi. Jamais facile ces moments-là. Olé. Ouais, mais de mémoire, d'OD, il roule pas en tout carbone. Field, il roule pas en tout carbone non plus, connard. Enfin, ils sont en full alu, quoi. De mémoire, après, ça fait tellement longtemps que j'ai pas suivi le BMX que... Ils ont peut-être changé depuis, hein. Mais pour un moment, je sais que Dodé était... Joris, il était parti sur du... Il avait du carbone, puis il est revenu à du tout alu, quoi. On peut aussi prendre comme ça, hein. Plus en wheel tap. Bon, faut ralentir un peu normalement. Du coup, tu passes en 4 et en 2 à la fin. Ok. Je sais même pas comment me prendre les oups, s'il faut que je prenne plein de gaz ou pas. Non, ça... Ah ok, c'est bon. Ça, ça peut laisser, ok.
Ah, d'ailleurs, pourquoi c'est si. C'est mieux là. Ouais, c'est mieux. Non, je l'ai pas planté. C'est moi qui ai fait un retour Windows. Vous verrez à ma tête si je plante. Mais normalement, il va planter ce soir. Ou s'il plante pas, vous avez de la chance. Est-ce qu'on peut faire 4 là? Non, on peut pas. Enfin, un Leclerc pourra le faire, mais pas moi. Oh, c'est cool qu'on va revenir sur ce track, il est sympa, on l'a bien là. On devrait bien rouler ce soir. J'ai joué un peu tout à l'heure et je joue assez bien. Voilà, fond de 5, ça passe bien. Enfin, fond de 5. Fond de 5, ça passe bien quoi. Bah là, on va restart parce que les gens n'ont pas l'air décidés à restart. C'est parti pour la première course de la soirée, j'ai envie de dire. Let's go. Sur un petit MX. Ou MX, c'est parti. Bonsoir à toi, Nods. Salut, salut. On pourra se faire un serveur Savegate 15 ici, pour être plus à l'intérieur la prochaine fois. Du coup, on est 52e, je crois, de mémoire. Donc, on est très très loin en général. Sauf comme je vous disais, on n'a pas joué le classement cette saison. On n'a pas fait beaucoup de courses. Forcément, c'est compliqué d'aller jouer le classement. Mais on le jouera la prochaine, je pense. Parce qu'il n'y a pas d'autres jeux qui sont prévus de sortie. Donc, ça devrait aller. Du coup, oui, on est 53e. Il y a du Elo ou pas? Oui, il y a du Elo, c'est cool. C'est ça qui est cool, de toute façon, quand t'es 53ème, il y a souvent du monde meilleur que toi sur le serveur. Ça, c'est cool. Allez, go! Non! J'ai trop repi, j'aurais pas dû autant fermer les portes. J'avais aucune visibilité, c'était sûr. Dommage, j'avais fait un bon départ pour une fois. Ça passe. Alors ça c'est un track qui roule, qui se roule assez vite, donc on va pas faire trop d'erreurs. Mon pompeur là va avancer. Ok, donc on est déjà remonté top 4. Ok, bon, on va prendre la lead là. Dans la ligne, on prend la lead, c'est bon. Pouah, ce dépassement, pouah. C'est les premiers, nice. Mixwell, bravo. Allez, on est parti, on va la gagner celle-là, moi je dis. On va la gagner direct d'entrée de jeu. Pour montrer ce que c'est le gameplay sur MXS. Ils sont vraiment cool, vous allez voir les tracks cette semaine. Je suis mieux à prendre l'extérieur. Je voulais tenter ici, mais en fait, je suis mieux extérieur. Cette triple elle est immense là. Faut prendre plein de gaz hein. En 4,50, donc j'ose pas imaginer au 2,50 ce qu'il faut faire pour passer.
J'ai eu un micro freeze là, je pense que vous l'avez vu sur le live. Attention là, de pas faire toucher le calpier, non ça passe. Non, là on peut scrub par contre. Là j'ai pas du temps par contre, j'ai voulu chercher l'inter mais je l'ai raté. J'adore le passage là. Wouh! Fallait que je le dise que j'adore forcément pour faire la faute directe. Pourquoi il y a pas assez de monde sur le live ou pas? Je te laisse partager le live du coup pour qu'il y ait plus de monde. Ça, on avait de l'avance quand même. Encore 15 secondes. Oh, j'aurais pas dû ralentir ici, dommage. C'est celle-là où il fallait ralentir. Pas tant que ça non plus. J'aime bien le passage là, il est vraiment bien calibré, t'arrives, hop, juste sur le double. Et en roulis, hop, tu passes nickel. J'aime bien ce genre de truc. On a plus que 6 secondes là, va falloir faire gaffe. Parce que les moindres erreurs, ça peut revenir vite. Encore 2 tours je pense. Quand je vous dis que je vais bien rouler ce soir, c'est que je vais bien rouler. Ah non, je dis ça, je me plante. Faut que j'arrête de dire que je vais bien rouler, que j'aime bien le track. Ça me porte la poisse à chaque fois que je tombe. Petite seconde. Hop, la récep. Un peu court, mais sinon ça passait bien. Passe inter. Mais ça passe. Là, le méga scrub. Tête à l'envers. Il m'envoie large lui hein. Voilà, ça va passer bien là. Et voilà, je suis pile dedans. Sinon ça passe mieux. Par contre là je suis long. Mais ça va reset. Ça reset dans le trou. Ah non, dommage. J'ai oublié de ralentir. Non, ce pas de backflip en course. Donc ce sur des. Non, je perds de place. Sur des boss que je connais. Ah, dommage. Allez, bon, moi ça va faire un peu de bataille. Faut remonter maintenant. L'avantage c'est que les deux sont roue dans roue, donc ils peuvent se gêner potentiellement. On va plus qu'un. Ah voilà. Et comment il est parti à la faute tout seul ici? Des fois, faut qu'on m'explique les gens où ils tombent. Bon, ça va, on n'est pas resté longtemps hors de la première place. Allez, dernier tour. Merci, papy, pour le drapeau blanc. Allez, pas d'erreur là, Mixway. Va chercher la victoire, tu la mérites. Pour ta première course, une victoire directe, ça serait beau.
Non, pourquoi j'ai scrub? Ouh, ça passe. Ouh, c'était limite là. J'avais pas intérêt à tirer un poil de travers sur la crête, sinon ça tombait direct. Hop, directement dans le virage. C'est vrai qu'on pourra mettre plus des rods. Hein. Non! C'est bon, on n'est pas tombé. On a eu de la chance. Par contre, clairement, on va pas lui laisser la ligne longtemps. Voilà, hop, quand je dis pas longtemps. Je préférais ralentir là. Hein. J'avais mal passé sinon. Ah non, il glisse, je glisse aussi quoi. Et le troisième qui va venir prendre la première place? Non. Il est cru. Non, ma victoire, je la veux. On va tout donner. Roue dans roue. L'accélération. Non, ça passera pas. On tente. Non. Ouh, 0 pour 156. J'ai tenté la fin. Je me dis, on tente le tout pour le tout. On sait jamais, sur les pénales, ça peut passer. Par contre, 2,26, j'ai pas fait un tour sans erreur, quoi. Abusé. Ça fait du MXS rank ce soir, Théo. Salut à toi, c'est le Scar sur le live. Ah ouais, j'ai tellement d'erreurs, une erreur à chaque tour quoi, j'ai jamais réussi à faire un bon tour. Il est piégeux quand même ce track. Ça joue au pénal de toute façon, hein. Là à la fin clairement. Je sais pas si je peux rentrer un backflip ici sous le saut. Oui. Pouah, il est trop propre. Était sur le MF ? Ouais, il est vraiment sympa comme track. Ça m'étonne pas. Il est vraiment cool. Après, tu peux le régu tellement vite que c'est chaud quoi. Pour faire une course là-dessus, tu tombes, laisse tomber. Hein. Pour rattraper le premier qui est parti tout seul. Après, peut-être qu'avec de l'Aerod, on arrive à le faire plus accidentogène peut-être. Je sais pas si j'arriverai à réguler le backflip sur le gros saut. Ah, ça va split, on est 27. Ah non, compliqué de le réguler. Hein. Régule de saut là-dessus. Ouais, faut que j'arrête de dire que j'aime les tracks pour moins chuter. Ouais non, il passe vraiment limite quoi. Déjà que le saut en lui-même passe limite, alors avec un backflip en plus, laisse tomber. Par contre, on passe pas par ce gros truc là. D'accord. Non, ça me... Ah oui, c'est pour... Ah oui, par contre, on pourrait flipper par contre. Le backflip doit passer là-dessus, je pense. Hein. Ah, elle en voit pas. Ah, compliqué, je pense. Compliqué de flipper ça parce qu'il en voit pas du tout le saut. Je
Ah oui, voilà. Oh, je mets long. Ah, ça passe. Bon, en fait, je me fais chier pour l'extérieur, mais l'intérieur passe bien aussi. Et là, on peut faire triple inter direct. Ah, faut être précis. Hein. Faut être précis. Final résulte. Et non, on passe pas premier. Il n'y a pas eu de péna. GG à lui. 0,56. GG à lui, passons à la course suivante. Mais ça, je suis content, je joue pas trop mal ce soir. Il y a moyen de faire des belles courses. Ouh, le petit wheeling. Salut Romazor, bah ça va très bien toi. LR1, merci beaucoup pour ton follow, merci à toi. C'est galère le restart. Voilà, ça y est, on voit qu'on est en fin de saison, il y a beaucoup de trucs à calculer. Puis on est nombreux, donc forcément, il y a plus de calculs à faire. Ah oui, lui, il est sympa. Ils sont... Faut pas que je dise qu'ils sont sympas, mais... Il est cool aussi. Faut juste pas dire qu'ils sont sympas les tracks, parce que sinon on tombe trop. Qui vit bah oui carrément. J'ai trop fait d'erreur. Trop fait d'erreur, mais ouais, bien joué pour ta petite victoire. Bien joué. Ça s'est pas joué à grand chose, en faisant que t'as pas pris de peine. Hein. Parce que moi je peux dire qu'à la fin j'ai tout donné. On y arrive les gens ou ils se connectent ou quoi? Il reste un. Ouh, il y a Dridri qui est là. Attention. Il va y avoir du hello là. Va y avoir du hello. Allez chercher. Donc si on est régul, il y a moyen. Plus on peut régul ce track, il est pas trop complexe. Ça peut être cool. Faut juste que je me rappelle vite fait des enchaînements, mais après un tour ça ira. Bah, tu vois, en coup... sans couper les gaz, tu perds les pieds, donc t'avais le risque de pas passer l'arrivée. Donc toi, t'as bien fait de faire ça. Après, c'était à moi de tout donner derrière, quoi. Et il nous reste 11 secondes pour le 412. Suspense. 4 secondes pour le 412. C'est bon, on y est. Time out. Et du coup, oui, comme je vous disais, il y a du hello 2100, 2000... Oh, il y a beaucoup de hello à aller chercher. On va essayer de chercher une victoire là. Ça pourrait être une jolie victoire. Par devant, donc on part pour le shot. J'ai pas voulu tenter le saut. Ouah, le cours! Ah, c'est bon, on est pas trop perdu les pieds. Direct sur table. Elle fait peur à côté. Allez, on prend la lead et on y go. Vous allez voir, le tracé est vraiment sympa celui-là aussi. C'est tombé autant. Bon, ça va passer, c'est bon, nickel, nice. Le gros quintuple passe trop bien. Par contre, quand tu te rates dans cette ligne, tu perds tellement de temps. C'est abusé. Oh, dégoût.
Ça, il s'arrête aussi derrière. Il est pas simple à régler du tout, comme track. Fasse gaffe parce que ça revient super vite là dans le bac. Surtout si je roule comme ça. Merci à toi pour ton petit. Non! Ouf, j'ai de la chance. Cubida, merci beaucoup pour ton prime. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à toi. Ça, il est revenu. Je me suis mis court, ça passe quand même, ça va. Là, celui-là, il va pas me lâcher, par contre. Là, ça passe bien aussi, bon, comme ça l'enchaînement. Avec le double d'entrée, il passe vraiment bien aussi. Ah, je sais pas s'il a fait le sur table au début, mais il m'a pas rattrapé. Hein. Vraiment roue dans roue là, il est à moins d'une seconde depuis tout à l'heure. Dans les lapeurs en plus, on va commencer à se méfier. Non, je tombe là, oh, dégoûté. Dommage. La sortie de piste. Ok, donc c'est le lapeur qui m'a mis, qui me bloque pas avant le double, quoi. Normal, j'ai envie de dire. Je sais pas si on peut faire triple d'entrée là. Ouais, on peut, mais ça sert pas à grand chose. T'as réussi à choper les derniers Ryzen, mais il y a une pénurie aussi sur les processeurs. Sérieusement, Ico, t'es sûr de ça? Parce que moi, j'ai pas galéré rien à avoir, parce que j'avais même deux processeurs quoi chez moi. Moi, j'ai commencé à i7 et après j'ai changé. Sérieusement. Secondes, je suis tombé deux fois, ça y est, 30 secondes de retard. Oh, j'aurais pu rester plein de gaz, je pense que ça s'est passé.
Non. Pourquoi je perds les pieds là? Des fois je comprends pas pourquoi je perds les pieds quoi. Clairement la recette était pas violente du tout là. Ok. C'est que je passe en 3 ça, c'est trop violent en 2. Je perds toutes mes places avec des chutes toutes bêtes quoi. Je veux ma deuxième place, s'il vous plaît. Ça passe là. Non, ça passe pas. Cours. Ah, je suis deg, le cours. Je suis deg. Je pense pas me mettre cours là-dessus, je vous avouerai. Pour moi, ça passait. J'ai l'impression qu'il y a de l'érode parce que ma moto réagit bizarre par moment. On ne voit pas l'érode. C'est particulier, c'est comme sensation. C'est vrai. Mais non. Je fais tellement n'importe quoi. Tellement d'amour sur la fin. Un truc MXGP. Oh, je trouve non. Plus l'impression que ça. Du coup, j'ai pris de la peine là. Mais je reste 3, ça va. Salut Nizia Gamer, bah ça va bien et toi? Ouch. Ça va bien, ça va bien. Ouais, Adrien il roule fort, il roule vraiment fort. Après, je pense que j'aurais pu. Est-ce que je le tenais au début hein? J'aurais pas fait trop d'erreurs, j'aurais pu le tenir, je pense. Mais bon, c'est MXS, vous connaissez. Hein. Moi, à l'ergu, j'ai du mal. Surtout en ce moment. Mais j'avais pas changé ma gate là-dessus, moi? Je sais pas, peut-être pas. Peut-être pas, c'est peut-être pour ça. Sikara MX, let's go. Non, je voulais repiquer full inter. Ma technique n'a pas fonctionné. Il y a encore plein de gens qui ont pas la piste, c'est abusé. Je sais pas pourquoi, certains n'arrivent pas à rouler sur ce track quoi. Alors que certains y arrivent, d'autres non, c'est assez particulier. Qu'elle est cool. Et le fait que d'autres y jouent me réconforte que c'est les gens qui l'installent qui ont des soucis quoi. Ah non. Non. Bonne soirée à toi Baptiste, à la prochaine. Merci de passer. C'est quoi comme jump là? Ok. J'ai jamais roulé dessus. Hein. Donc j'y vais un peu à l'aveuglette là, je vous avouerai.
C'est le seul track que j'ai pas roulé encore. Je vais un peu aller plus vite. Les montants, on peut y aller vite apparemment. Dedans. Mais pas partout. Genre là, faut pas aller trop vite. Et là, faut vraiment pas aller vite, j'ai l'impression. Ouais. Oui, il y a un pic au milieu de la route. Ok, on a fait un tour. Nice. Ce whip. Ah. Horrible virage, on peut pas remonter. Mais non. Tant pis, on va ressortir par là. Horrible. Tellement horrible ce virage. J'espère que j'ai pas raté trop de gate du coup. Non, ça a l'air d'aller. Oh, tellement horrible le virage, faut vraiment pas sortir des virages quoi. C'est des murs derrière. Je suis trop large. J'arrive pas à être précis dedans. Mais il est piégeux, mais un truc de fou quoi. Enfin, les ornières sont belles, on peut vraiment le prendre vite. J'ai dit qu'on pouvait rester plein de gaz ici, sans problème. Ouais. Pareil. Non, on va essayer de le remonter, il est juste devant là. Moi, j'oublie que c'est ce passage là. Ouf, ça passe. Ah, avec l'impulsion ça passe bien là. Je peux même aller plus loin du coup. À gauche, puis y a pas de minimap, donc pour se rappeler les virages c'est pas évident. Si l'engage, j'en sauve une de plus, boss. Ok. Je note. On va essayer de choper l'inter. Non, pas du tout. Là, ça part. Non, ça part. Puis ça se ressemble en plus. Il y a des endroits qui se ressemblent, donc j'arrive pas à. Où c'est que ça part à gauche, où c'est que ça part à droite. Oh le trou. Ah ces trous ils font mal. Y'a Streminum qui spam le chat. Alors pas trop vite. Voilà. Normalement, du coup, on peut prendre là et sauter en double ici. Voilà. Ça
Passe bien. Ah, des mythes. Non, j'ai pas testé Jacquerie le machin. Je teste quasiment aucun track sur MX Meter. C'est le retour avec les vagues, ok. Nice, c'est la victoire d'Amix, ouais. Perfecto. Du coup, c'était qui les autres? Axel, Cyril, ok. Il y en a plein qui n'ont pas pu. Je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à jouer. C'est bizarre. Ça marche ou pas? Bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Non, ça ne passe pas là. Oh, il y a des jumps. Il y a un jump caché au fond. Enfin, il n'est pas très caché, on le voit. Mais il y a un jump. Et oui, Kabilucha, merci beaucoup à toi pour ton prime, ça fait plaisir. Merci du soutien. Et ce solo, je pense que... Attendez. Ah non, il envoie juste haut. Mais vu qu'il envoie haut, est-ce qu'il y a moyen de s'envoler dessus, littéralement? Si on arrive de loin. Ou c'est juste des boss à backflip? Non, je l'ai pas regardé sur Slagrom 3. Ah bah bonjour papy qui a jeté ton drapeau, qu'est-ce que tu fais si loin? Bonjour? Tu t'es perdu? Est-ce que vous êtes prêts pour l'envol? L'envol du MX, ouais! Je vais perdre les pieds à l'appel, vous allez voir, tellement c'est raide. Non. Il y a absolument aucune récepte. Absolument aucun endroit où on peut récepte. Cache aussi. Allez, on va mettre fin au calvaire de ceux qui ne peuvent pas rejoindre. Oh, il y en a quand même 17 qui ont réussi à rejoindre. Ouais, ah non, on ne verra pas le flip. Bon, une petite victoire déjà ce soir, c'est déjà cool. C'est déjà bien cool. Parce qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à installer ce track, je sais pas pourquoi, boule. Mais c'est bon, ils vont arriver après. Ah lui non plus j'ai pas fait, il y en a deux que j'ai pas fait du coup. En fait j'avais fait que 3 sur les 5. D'accord. D'accord, d'accord. Mais là il y aura du monde normalement. C'était du MX Wear Plan. Ladies and gentlemen, bienvenue dans la MW Line. Il fait actuellement 23 degrés à l'extérieur. Il est 21h44, heure locale. J'espère que vous avez passé un très bon vol. Lui, il est trop bien, mais ils sont tous trop bien cette semaine de toute façon. Du coup, on a gagné des points, j'imagine. Oui, plus 17. Là, ils sont remontés 36e, on remonte vite. Hein. On remonte vite quand même. Par contre, monsieur, 30 secondes, faut vite se pousser, hein, parce que la course est partie.
contre, j'imagine qu'il faut rouler assez vite dessus. Ça a l'air d'être un gros saut. Oui, ça passe. Ouh, j'ai eu peur. Ouh, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était qu'un triple. Je me dis, je vais m'envoler. Mais non, ça va. C'est une table. J'aurais pu savoir parce que je l'ai vu sauter. C'est un gros triple. Ok. Je mets méga court, mais ça passe. Derrière, je l'ai vu. Ok, là on peut arriver directement là-bas. Oui, ok, facile même. Là, c'est l'air d'être court. Ouais, j'ai bien fait de ralentir. J'ai bien vu que ça avait l'air court. Et donc ils aiment bien mettre le boss comme ça là, qui monte et qui redescend en virage. Elle est tombée devant. Zumo qui l'a freiné, sinon moi je prenais plein de gaz. Hein. Ok, on a fait un tour. Ça marche. On essaie de se souvenir des traces. Là, il y avait une trace où il a pris super vite l'autre. C'est celle-là. Ouais, il est cool. Ah, faut prendre vite, mais pas trop vite là. Comme ça, à peu près. Voilà, parfait. Encore moins vite. Nickel. Là, c'est une table, on peut prendre de la vitesse. Là, c'est un gros triple. On peut prendre encore plus vite que ça. Nice, ok. Apparemment, on peut transférer. Ok. Il faut plus tourner inter que ça. Il est chaud le transfert. Les premiers sur un track qu'on ne connaît pas. Attention. Les ornières sont belles en tout cas. On peut vraiment virer vite dedans. Ah, faut faire attention, faut freiner pour aller à gauche. Voilà. Et c'est bon, on le connaît maintenant, on peut rouler. Est-ce que je rate déjà le premier virage? Donc il y avait une ornière cachée derrière. Alors vite mais pas trop vite là, celle-là. Hop, comme ça, voilà, nickel. Puis derrière la même. C'est un gros trip, on peut y aller parfait dedans. Non, on va éviter de faire le transfert. Je sais qu'il n'y a même pas le temps à le taper.
Oh le long. Ça passe. On tente. Ça passe. On se met court partout. Ah. J'ai un peu trop lancé la moto par rapport à la taille de l'assaut, quoi. Oh. Allez, là, dégage. Non, tu vois, j'ai pas gagné, je suis en train de perdre tout mon temps là d'avance. Après, il est pas compliqué non plus, c'est un motocross qui est pas hyper complexe. Donc, quand tu connais pas, t'arrives à rouler quand même. Un claps pour ça? Un claps pour les 15 erreurs? C'est ça? Merci. C'est bien, ça me rappelle que ça fonctionne toujours. C'est cool. Ah, c'est pour la motivation, ok. Allez. Dernier tour. En plus, ça va parce que je me dis parce que la piste est quand même piégeuse. Hein. Il y a quand même des endroits où faut faire gaffe. Ah, je pense qu'il y a même moyen de drop direct interne en fait. Faire le jump direct couché interne. Et rester dedans, je pense. Il y a peut-être moyen. Bon, ça va tirer plein de gaz là. C'est risqué quand même. Trop vite. Parfait. Ça va, elle est pas complexe comme piste. Elle roule même plutôt bien. Même pouvoir aller chercher la victoire là-dessus. Parfait, une petite victoire encore de plus pour MX. Ouais! Nice! Il n'y a pas le nombre de cœurs en bas à gauche, je crois. Il y a le nombre de subs, ouais. Après, c'est... On va attendre un peu, du coup. Mais oui, il y a le nombre de follow. Il marche? Pourquoi tu me dis que ça marche pas? Ouais, petite victoire, c'est nice. Je suis content. Elle est vraiment sympa comme piste. Vraiment sympa. Je pense qu'il y a moyen d'enrouler 40 plus vite que ça, ce que j'ai fait, mais... Comment tu fais pour afficher les FPS et le temps en haut à gauche? Slash toggle FPS et slash toggle time dans le chat. Donc T-O-G-G-L-E. Ah, je vais tester là. Moi, je pense qu'il y a moyen de rester direct inter là. Il y a moyen d'être rapide sur ça. Ah non, ma fréquence cardiaque, non, elle est pas, j'ai pas mis mon... J'ai mis que sur les courses Race Factory. En bas à droite. Et ça s'affiche que si je l'ai, si mon collier, enfin mon collier non, ma ceinture, si j'ai ma ceinture ça s'affiche, sinon ça s'affiche pas. C'est normal. C'est chaud à bien être dedans quand même. Thank you.
Mais je peux repartir en deux, c'est juste que j'ai pas assez de couple en fait pour vraiment avoir de la pêche. Si je repars en deuxième dans le virage, j'aurais dû rester plein de gaz là, ce serait passé. Je pensais que j'étais plus large que ça, mais là, j'ai un peu surévalué ma vitesse de rotation. Il m'en reste largement premier, mais on a pris de la pena. Toujours je prends de la pena moi, toujours j'aime bien. Je vais mettre un. Je vais mettre un succès sur XS Rank, roi des pena. Prendre 24 heures de pena. Il y a moyen de faire saut inter sur table. Je vois pas de quel saut tu parles, mais peut-être. Oh là, je voulais tester un truc. Oh, c'était trop beau comment. Ça serait passé ce wheeling. La foule il était trop propre. Dommage, ça restart. Je voulais tenter plein gaz, voir si on pouvait transférer directement au bout. Mais on ne tentera pas. C'est sûr qu'il y a un moyen de trouver des traces comme ça sur cette track. Ah, bah nous revoilà sur le SX. SX4, s'il vous plaît. Save gate 1, on est bien là, hein, ici. Oui, comment tu t'es envolé là? En minute, tu fais ce genre de move, de wheeling comme ça sur la moto. En vrai, je pense que t'es bon à changer de pantalon. Hein. Tu vas lâcher une trace, un truc de fou. Toujours 615, on attend, hein, c'est bon. Et on a pris plus 48. Finalement, on va avoir autant de hélo que la saison précédente. Hein. Là, on fait le. On arrive, on prend le hélo de tout le monde, quoi. Ça va resserrer. Ah non, j'ai glissé, dommage. No. Putain, j'étais bien parti pour une fois. Voilà, ma poisse, comme je vous disais. J'étais bien parti, mais ça a glissé de fou. Zigzag entre les pilotes et c'est passé. Allez go. Le quadruple. Ok, d'accord, limite je peux rester sur quintuple. Je regardais ton live où tu fais des tenues, mais tu sais pas où je peux trouver les PSD et les JM. Oui, c'est sur TM Factory. Mais ils sont pas tous dispo et beaucoup sont payants. Wouhou. Quand je vous dis que je fais des wheelings, je sais pas d'où je les sors les wheelings. Hein. Ok, d'accord, donc en prenant comme ça, on peut se mettre long là. Je sais pas quel est l'enchaînement prendre en fait. Non, je sais. Bon, allez, hop, on va gagner deux petites places là. Nice. On peut aller chercher le premier maintenant qui est parti loin, mais on peut aller chercher, je pense. On va bien voir si on arrive à le rattraper ou pas. Deux lignes d'avance. Hein. Putain, il est chaud à Regus Quad. Il est chaud à avoir la vitesse. Hein. Mais j'ai envie de le passer. Il y a des traces de fou aussi sur ce tracé. Il y a vraiment des enchaînements de dingue que tu peux prendre. Voilà le trip trip, il se passe nickel.
Allez, 28 secondes. Allez, on l'a bien le quad là. Ouh, c'était juste, mais c'est passé, nickel, allez. Boulevard dans les hoops. Moi, je n'a pas des hoops comme ça sur Ice Factory, hein. Dommage, je l'ai rattrapé devant. Donc j'ai tendance à être un peu court, donc il faudra que je mette un peu plus de gaz quand même sur la récep là. Parce que là je suis un peu court. Ouais voilà, je suis parfait dedans là. Pff, le stuff magique pour les hoops. Enfin pour ces hoops là. Qui est pas magique pour les hoops, Rice Factory. En tout cas, ils sont vraiment cool les deux SX de cette semaine là. Oh non! Dommage. Je pense à me mettre long partout en fait. Hein. Faut réussir à se faire un bon tour quand même. Hein. On chute depuis tout à l'heure, mais on reste en dessous des 30 secondes. Donc c'est qu'on est plus rapide que lui quand même, quoi. Enfin, c'est qu'il chute aussi, mais... Allez, lui, c'est un bon tour, je le sens. Alors, en même temps, ça va être long, donc on va aller un peu moins vite. Voilà. Je trouve qu'il y a la place pour poser, hein, donc. Nice, voilà, un petit 58. Un peu moins vite que d'habitude. Alors on reste en roue libre, mais ça passe nickel. Je suis trop raté dans les virages. C'est quoi, c'est vrai, ces derniers tours là. Ça y est, je l'ai bien le quad. C'est n'importe quoi, c'est où ça. Je pense que c'est Adrien qui est devant.
Ah non. Brocoli. Qui a lâché un. Eh non, je suis désolé de parler de Kubi quand je vous dis que j'étais parlé de Kubi. Continue à pouvoir, par contre, ça dirait que ça raccourcit quoi. Ouais, il est vraiment cool celui-ci. Hein. Par contre, là, si je recule, je vais tomber. Non, comme ça. Il est vraiment, vraiment sympa. Il glisse un peu, mais il roule vraiment bien. Les hoops sont pas trop durs, tu vois. Ils sont grosses, donc faut les prendre vite. Parce que si tu les prends en fond de première, tu vas t'arracher dessus. Non, ça va en fait. Mais elles sont tellement grosses qu'il faut plutôt les prendre vite pour mieux les dribbler. En fond de première, tu les dribbles pas assez bien. Et du coup, ouais, faut bien les prendre vite et. Limite, je suis sur plein de gaz de 5, ça passe quoi. On va tenter. Je pars en backflip fond de gaz de 5, c'est abusé. Je t'ai déjà répondu, Nizia Gamer, je te disais qu'il faut que tu regardes sur TM Factory. Donc écoute, écoute le live à la place de mettre 15 fois ton message. Encore une bonne demi-heure, ce pain. Ouais, ça passe mieux qu'un filet quand même. Le filet passe bien. Et on a pas pris de peine pour une fois, c'est bien. Et on finit deuxième de cette course. Et on était le seul sous la minute. Nice. On va encore prendre des points. J'aime bien même le design du track et tout, les textures sont vraiment sympas. Enfin, on peut faire 4 là en fait. Ok, on peut encore aller plus loin. Ah, puis dans cette piste, je voulais tenter si on pouvait faire 4 ou pas. Est-ce qu'on aura le temps de tenter? Je pense qu'on aura le temps de tenter. Ouais, non, je puisse 4 et ouais, tu n'as pas de temps à aller chercher 4. Yo Antoine, bah écoute, ça va très bien. Pour le moment, mon jeu a pas crashé donc ça va bien. On fait des bonnes places, des bonnes petites batailles, donc c'est cool. On n'est pas régu comme on voudrait, mais on fait des bonnes courses, donc je suis assez content. On tente des transferts aussi, par moment. Mais ça passe plutôt bien. Et maintenant, on n'a plus d'excuses, on les connaît tous. Il suffit à moins de faire le all shot si on part bien. Comme c'est bizarre, pourtant j'ai fait un save gate 15 tout à l'heure là-dessus. J'ai l'impression qu'il est plutôt foireux ce save gate, hein. Il marche pas à tous les coups. Non, bah juste avant on a fait du SX Antoine. Il y a 3 SX, 2 MX. 3 MX, 2 SX. Ça qui est cool, c'est... je trouve que c'est la proportion nickel. En plus, ils sont vraiment cool cette semaine les tracés. Donc, c'est bien pour finir la saison, c'est vraiment cool. Les gens vont pouvoir aller chercher du point pour la fin, quoi. On a pris encore plus 30, 24ème. On va peut-être finir dans le top 20. On va peut-être aller chercher ce top 20. Il y a du monde ou pas là, sur le serveur? Oui, il y a encore plein de monde. Ok, nice. On sort pas si mal. Ouais, genre, on sort pas si mal, c'est bon. Bon, c'est trop bien. Même très bien. Il est passé entre nous deux là. Allez, on prend la lead. Oh non, on prend plus la lead. J'étais resté en tête pendant un virage, c'est cool. Nice MX, ouais.
Ouais, y a du Hello ce soir, il y a du 2000 et tout, donc c'est cool. Ça roule quand même. Allô? Merci. Allez, on monte. Comeback, zéro erreur. On est sur RF. J'ai fait quoi là? Oh là là. You will back, salut à toi. J'ai pas compris ce qu'elle a fait la moto là. Elle a pas voulu prendre du grip, puis d'un coup elle a grippé d'un coup. Ah c'est pas bien, c'est pas, faut peut-être coucher. Même désobéir aux parents. Hein. Et comment ils font pour se tuer là? Les gens ils oublient qu'il faut freiner, ça? Non! Oh, ils étaient tous tombés! Oh là, seum! Ah, j'ai le seum! Ils étaient tous tombés là, quoi! Bon, prochain tour! En général, ça passe bien quand même cet endroit! Comme ça, on est quand même dans la course, on peut aller chercher la victoire! Se méfie du 250 devant là. Ah bah, on va pas se méfier du tout parce qu'on est sorti du virage. Je suis pas pressé ce soir, c'est ouf. On va prendre l'extérieur là. Ah bah je cherchais le quatrième, il était là. Non. Ah j'ai vraiment la poisse là. Je cherchais où était le quatrième justement. Je suis deg. Chaque fois je remonte et je retombe quoi. Poser tout juste la roue avant là. Bon bah voilà, hop, dégage. Ouais, rêve demain. On va faire tous les points que j'ai pris, dommage.
faire ma merde comme ça là. Pas bien collé dans ces ornières là. Je galère sur ce track, hein. C'est ouf. Putain, il est pas dur, mais. C'est qu'il est piégeux, tu veux être rapide partout et. Il y a plein de petits pièges qui font que tu peux pas être bien rapide comme tu veux. Ouais, j'ai pris du tard là. 14 secondes. Il y a une chute, attention. Il est parti. Au moins dans le podium, quoi, ce serait cool. Même si, vu toutes les erreurs que j'ai faites, je mérite pas le podium du tout. Ils sont loin. Ah, il y en a qui est tombé là. Peut-être meilleur quand même. Pour en pur faire de chute, quoi. Mais ils arrivent pas à retenir qu'il faut ralentir ici. Quand même, ils arrivent à retenir qu'il faut sauter un terre. C'est pas loin, c'est quand même pas loin. On aurait pu mille fois la gagner, hein, si on n'avait pas fait toutes ces erreurs. À la place du con, dommage. Moins que ça tombe dans le sable, mais ça m'étonnerait quand même. Non. On finit pas loin du pot de la tête, hein, victoire quand même. Hein. Mais dommage. Quatrième. Je pense qu'on a pu faire carrément mieux que ça. Hein. 2-17, ouais, on est 1000 fois le plus rapide de tous, quoi. Après, c'est sur le dernier tour. Hein. Je suis seul à avoir fait sans erreur au dernier tour, quoi. Ouais, Alpha, que j'ai changé, j'ai carrément rameau l'Ilaria en fait dans les lots, à voir ce que ça va donner en course. À voir au niveau de l'shot, mais faut que j'arrive à être plus réactif sur la grille aussi. C'est moi qui suis pas réactif, qui est pas la bonne position et tout. Parce que tu vois, là, avant j'arrivais jamais à faire de bons départs sur XS5, là je commence à réussir à en faire, donc. Tant mieux, j'ai envie de dire. Par contre. Ah ouais, ma place c'était 5ème, donc je vais quand même gagner des points, je pense. Bonsoir Jojo, c'est à toi. Bon, ça méritait la peine, faut le dire vite, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs quand même. Mais oui, j'avais 1000 fois la vitesse de faire P1, c'est clair. Bonne soirée à toi, Nosti. Salut. Je me dis, si on scrub ça, ça passe ou pas? C'est chaud, hein. C'est clairement chaud. La triple. En montée après. Ah, justement, c'est là où je suis tombé. C'est ce que je fais. Je fais quoi de moi là direct? Je pense que c'est là que tu parles. Ou c'est autre part?
ce que je fais, hein. Moi je fais quad direct, tu vois. Je fais pas comme ça, quoi. Juste ce passage là, je l'aime tellement pas. Parce qu'en fait, tu frôles et l'autre en dessous là, c'est chaud. T'inquiète, pas de soucis. J'aime ces sauts, ça donne quoi? C'est chaud, mais ça doit, tu dois passer une vitesse par contre si tu prends bien. Bonne soirée à toi, Evan. Ciao, ciao, à demain. Ça va restart là ou pas? Oui, ça va restart. Rosertinox, re à toi. Pas de soucis, t'inquiète. Les autres pistes doivent être sympas sur ce campagne aussi. Non, ça va, pour le moment il a pas crashé ce soir. C'est bonne nouvelle. Ça c'est cool. Nizzy Gamer, c'est avec slash read setup slash write setup. Tu l'as sur le Wiki Gaming Simulator dans la partie chat commande. Enfin, c'est toujours le même qu'on attend ou pas? Ça a juste planté là, la course. Oui, c'est y est. Merci à toi, Honster, pour le follow. Merci beaucoup à toi. Welcome. Bienvenue, bienvenue. Et Nolan, merci aussi à toi. Je t'ai pas dit merci, mais merci beaucoup pour ton follow. Merci pour vos follows, ça fait toujours plaisir. Bon, là, on peut faire le shot, là. Il y a personne. Allez, on se concentre. Mais mec, il y a des gates à respecter quand même un jour. Ah, comment il a poussé extérieur. Ça sert à rien. Des fois, je comprends pourquoi les gens ils poussent autant extérieur. Du coup, il a perdu 15 places en poussant comme ça extérieur. Puis lui, je sais pas où il veut aller. Des fois, j'arrive pas à comprendre les gens. En plus, c'était directement là, ok. Allez, go. Ça me doit vouloir par de tomber, je sais pas de quel bout elle est tombée. Voilà. Fond 3, ça passe bien. Enfin, fond 3. Gaz de 3. Allez, on va le chercher, lui.
non, trop long. Oh, ça passe. Oh, c'est long que je me suis mis. Le long du diable, quoi. Ce qui s'est passé derrière le saut, donc compris, il doit être bien bien court le saut après la table. Chaque fois je suis à côté là dans le deuxième dragon. Yo Kevin, ouais, ils sont sympas les tracks cette semaine. Je sais pas si t'as déjà pu jouer dessus, ils sont vraiment sympas. J'arrive jamais à jauger si je peux faire quad ou pas, ou s'il faut que je garde du gaz pour derrière table. Ah, moi je suis dedans, par contre. À la limite, le sur-table doit être plus rapide en fait. Hein. Comme on doit freiner pour le saut à la fin, là, le petit double. À mon avis, je rate une gate là, à mon avis. Ah, je suis dedans cette fois-ci au moins. Oui, c'est ça, Niazem, avec un slash devant et tu mets le nom de ton setup derrière. Ça passe plus vite comme ça, largement, c'est sûr. Je suis devant mon tour là. J'essaie de pas le gâcher. En fait là le quintuple à la fin, fond de 3 il passe bien, donc ça sert à rien de se prendre la tête. Il passe comme ça, hop 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 hop. Tu restes fond de 3 et ça passe nickel. Oh non, je suis à côté de la bonne piste. Voilà, c'est la nouvelle trace. Oh! Cette chute juste avant l'arrivée. Voilà, on va faire un petit touquet. Et voilà, comme ça on fait qu'un tour. On était à 5,59, ça sert à faire rien de passer. Autant attendre un peu, quelques secondes. C'est quoi ça par contre? Ah! Ça m'a rattrapé malgré que j'ai 40 secondes d'avance avec mes conneries.
Nice. Je voulais te demander comment tu fais au départ pour comprimer l'arrière. Alors moi je me mets en deux, je freine de l'arrière. Donc tu vois ma manette, tu vois. Je me mets sur l'arrière et j'accélère. Après il y en a certains, faut se mettre en 5, tu vois. Mais ça comprime moins. En 1 tu peux le faire mais t'avances trop. En 3 ça doit être pas mal je pense. En 3 c'est pas mal, tu vois, tu comprimes vraiment bien. Mais en 2 j'ai l'impression que je comprime mieux mais j'avance. Ah donc je ferais peut-être que je le fasse en 3 du coup. En fait, limite, faudrait que j'arrive à. Attends, on va faire les 6 minutes de départ. Si je fais comme ça pour partir. Ça peut être pas mal. Faut modifier le modèle 3D à Zeno. Putain, ça peut être une bonne méthode hein, plutôt que prendre l'embrayage. Ça évite d'être trop dans les tours. En gros, je pars en 2. Je comprime, je me mets sur l'avant. Dès que la grille tombe, je lâche et je passe là. Hein. Eh, ça peut être bien à tenter. Plutôt que prendre l'embrayage comme un fou. Oh, c'est passé ça, sérieusement, c'est passé. Ouais, en première, tu tapes dans la grille, c'est que t'as trop de couple, du coup, t'arrives à compenser ton frein arrière. Tu vois? Si tu le fais en deux, t'avances plus. Ah, ça peut être pas mal, hein. À tenter, je pense. Parce que si je le fais. Le problème de le faire avec l'embrayage, c'est que tu comprimes. Tu passes l'un et tu décomprimes, en fait. Et du coup, tu pars. Ah, ça glisse pas mal, hein. Et si je le fais comme ça, comme je voulais le faire, du coup. Oh putain, ça part trop bien! Si tu l'as au bon moment, t'as du grip de fou. Regardez la différence. Là, je pars mes départs d'habitude. Je comprime, je mets l'un, je prends l'embrayage. La moto part bien quand même, mais ça glisse un peu. Ouais, vous sentez que l'arrière qui glisse quand même. Alors que si je le fais en deux, comme je fais comme ça, tac, tac. J'ai l'impression que j'ai plus de grip quand même. Vu que j'ai moins de couple. Vu que je suis plus bas dans les tours. Ouais, non, je pars carrément mieux. On va partir comme ça, on va tenter comme ça. Sinon, c'est la dernière course. Là, on va le tenter comme ça le départ. Voir ce que ça donne. Écoutez, j'ai envie de tester. Non, Evan, j'ai trop de mauvais tics de jeu sur NXS pour donner des conseils. Et je suis de loin. De loin très bien placé pour le faire, enfin très, très mal placé. Parce que je suis pas bon du tout, regarde, j'arrive pas à passer les main events. Imagine le mec, il arrive pas à passer les main events, derrière il fait un tuto pour dire il faut jouer comme ça. Non, pas du tout. J'ai pas assez de niveau pour le faire quoi. À l'embrayage, ça patine plus. Ah ouais, Alphax. Ouais, mais du coup, faut mettre moins de gaz, faut. Je sais pas. Moi je sais que j'ai toujours patiné avec l'embrayage. Toujours. On va tenter là le départ comme je faisais.
Tu vas en tenter de toute façon. Au Squira, il y aura personne encore sur le track. C'est pour ça que je n'ai jamais fait Evan, hein. C'est que je sais que derrière je vais me faire tacler dans tous les sens si je fais une vidéo comment débuter sur Rig Simulator. Parce que clairement je vais vous donner des conseils qu'il faut pas. Clairement moi dans les virages je suis tout le temps assis, jamais sur l'avant, alors que je pense qu'il faut plutôt faire l'inverse, avant et pas assis quoi. Ouais je sais pas Aznote pourquoi ça fait ça sur certains et d'autres ça marche, je saurais pas te dire. Tu vois là on est plusieurs et que ça fonctionne, moi j'ai rien installé particulier. Il y a peut-être un pack, mais j'ai cherché un peu à droite à gauche, j'ai pas trouvé de pack qui aurait besoin pour Sikira, je pourrais pas te dire. Je pourrais pas dire ce qui manque, je sais pas du tout. Tu vois, mais il y a quand même du monde qui arrive à jouer, donc... On va attendre mon départ à la MX-Way, on avance quand même un peu. C'est compliqué, on avance quand même un peu. Oh, il voulait passer où lui? Après, on avançait parce que j'avais un boîte de MX aussi. Donc, il faut se rappeler un peu des traces. Je me sentais mal avec sa Honda là à l'intérieur. Ce zigzag que j'ai fait là. Mais c'est passé. C'était chaud, mais c'est passé. C'est là où ça va à gauche. C'est sous là, ok. Ok, bon. Voilà, j'ai avancé. J'aurais peut-être dû le faire en 3, tu vois. Mais ça dépend de la boîte, je pense, parce que avec ma boîte SX, j'avance pas. Peut-être du grip du terrain aussi, ça va dépendre de pas mal de choses différentes. Bon, P8, c'est quoi ça, MX-Way? Mama, ce whip. Mais j'aurais jamais l'intérêt ici. Hein. Alors, on va monter P3, allez. Il y a P2 qui est là, on le voit. On va aller chercher. Ils sont juste là tous les deux. Moi je dis on va aller les chercher. Chose virage. Moi ce que je pensais, on peut sauter une de plus derrière si on rate bien. Donc rater le nez, j'ai pas le temps, c'était un saut trop court. À gauche, moi je me suis souvenu. Allez, 4 secondes, 7. Ah, ça descend, dommage. Je pensais que ça pouvait rouler ici, non. Le virage double trace, tu fais un peu à mode poids, à mode tomac. Petit appel à la mode tomac. Et on va chercher l'inter là cette fois-ci. Voilà. Ouais, par contre, le freinage est dur en fait. L'inter.
Là, je rentre, je dérape, je ressors. Ouais, mais Thomas le fait mieux que moi. Je suis passé, mais je suis passé. Non, j'ai pris l'arrière. Je me marre sur ça, MXS. On perd 3 ans. Faut que je saute plus à droite là. Ça va être trop à gauche. Ok. C'est beau ça, MXWay. C'est beau, nice. C'est vraiment une course de trop celle-là. Oh, amusé. L'extérieur elle passe bien l'extérieur. Bon, j'ai quoi? J'ai 12 secondes à remonter. Allez, sérieusement, erreur. Et là je sors, allez. C'est vraiment la course que j'aurais pas dû faire. Ça continue. J'ai littéralement craqué. J'en peux plus. Je tombe à chaque virage. Oui, il me rattrape derrière. Tu m'étonnes. Je suis parti dans tous les virages. Waouh, je suis pas tombé dans ce virage. Nice. Mais ouais, ça progresse. Oula, 2 virages en chute. Voilà. Non, je vais lui rentrer dedans. Il sautait pas droit. Il veut tellement son ban. Mec, t'es 6ème, tu joues ta vie, quoi. Ça me fait rire. Thank you.
Soul Fuck que j'ai pas aimé. Quoi qu'il me tente un bloc pass, ok, why not? Putain, qui gagne? Je suis 3 ans derrière. Moi, c'est d'avoir celui qui est devant là. Non, on l'aura pas. Ouh, j'ai de la chance, je me suis bien rattrapé. Dark Side Rose, merci beaucoup pour ton raid. Merci à toi. Welcome, viewers. Bienvenue chez le stream du PDG. Moi j'aurais pas. Dommage. Ah, c'est pas la fin. Je pensais que l'arrivée était ici. Oh. La course de merde que j'ai fait, quoi. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Hein. On va aller bannir le petit mec. J'attends que ça arrive. Je sais pas pourquoi à chaque fois ça plante comme ça au début, puis d'un coup ça charge tout le monde. C'est trop bizarre. Vraiment trop bizarre. Bon, on n'aura pas joué de ouf ce soir, hein. Décidément on a du bon en ce moment sur Mix Simulator. Je suis plutôt dans le creux de la vague que dans le haut de la vague au niveau de mon niveau. Hein.
Bon bah écoutez les gens, je vais vous laisser. J'espère que ce petit live vous aura plu. C'était bien cool sur MC30. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas live dessus. Les tracks étaient sympas, donc c'était cool. On va voir s'il y a du monde à Red. On ne sait jamais. Oui, je vous ai mis un peu de côté, désolé. Red, faudra un petit on moment. Jamais. Oui, je vous ai... Il y a qui live sur Mix Simulator. Il y a DXWND, j'ai vu. Oh! Corvi, j'ai jamais Red. Moi, je vais vous envoyer chez Corvi, du coup. N'hésitez pas à lui envoyer plein d'amour. Et puis, bah écoutez... Moi, je vous dis rendez-vous demain à 16h pour les qualifications de Rise Factory. C'était Mixway. Ciao, bye bye.